Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très excité de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, sur Grand Utopia plus précisément. Et vous voyez le décor derrière, nous sommes à Akokan Island bien sûr, l'île tropicale de Grand Utopia. Ne faites pas attention à ce camion qui passe à travers le poteau, puisque nous sommes sur une route qui n'est pas officielle. Les amis, voici le véhicule du jour, qui est donc un Ford F-150 Raptor, 444 chevaux. Je ne sais pas si dans la vraie vie c'est ce nombre de chevaux, mais en tout cas c'est un véhicule tout-terrain plutôt joli, que je me suis octroyé de me faire le plaisir de l'avoir pour aujourd'hui explorer des petites routes sympathiques. Et à la fin de la vidéo, eh bien, nous allons préparer le prochain épisode où on va faire des convois exceptionnels. Les amis, cette vidéo va être incroyable. Nous sommes où là? Nous sommes où? Nous sommes donc à Akokan Island. Je le rappelle, Grand Utopia c'est ici, l'île tropicale de Cuba, comme j'aime bien l'appeler, ici à Port Melli, avec quelques routes ici et là, mais vous le savez, probablement des zones cachées, et notamment là où je suis, c'est une zone pointillée, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors bien sûr, l'idée c'est de pas tout spoiler, le but c'est que tout le monde puisse découvrir, et puis surtout, bah, quand il y aura des futures mises à jour, voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance, my goodness également, n'aie pas peur, hein. Tout va bien se passer, hop, on rentre dans ce beau véhicule, qui est un petit peu, bon, le tableau de bord, il est pas très fonctionnel, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait un véhicule tout-terrain. Alors, je roule également en manuel. J'ai oublié de le préciser. Alors, attendez, hop, je mets juste mon siège correctement, parce que là, je suis un petit peu dans la sauce. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Je recentre ma caméra. Et là, normalement, on sera plutôt pas mal. Je vous montre le GPS, donc. Voilà, on est sur une route pointillée. Assez sympa. Limite, ça pourrait être là, ma maison. Vous vous souvenez, dans un épisode, je vous parlais de, bah, que j'aimerais bien avoir une maison sur Grand Utopia. Et ben, littéralement, ici, ça pourrait être... pour être vraiment sympa, c'est vraiment l'idée, l'idéal. Hop. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va découvrir des routes. Et là, voyez, je viens de la gauche, là. Je viens de la gauche, mais si je vais tout droit, regardez-moi ça. Voilà pourquoi j'ai pris ce véhicule, parce qu'on a des petits chemins de terre. Donc on est là vraiment pour explorer, sans trop spoiler, mais se faire le petit plaisir de voir les routes cachées. Alors déjà là, voyez, ça ne m'affiche pas les pointillés sur le GPS, donc c'est que c'était pas prévu. Si il y a les routes pointillées, ça veut dire que c'était prévu. Mais s'il n'y a pas les pointillés, ça veut dire que c'était pas prévu et que par conséquent, ce ne sera pas parfait. Et en effet, regardez, voilà, je suis bloqué par des textures. Donc, on va pas chercher à aller plus loin. Ce sera probablement pour les prochaines mises à jour. Mais déjà, on a des belles petites maisons par ici. Hop, allez, on va se barrer d'ici et on va explorer de nouvelles routes. Et franchement, le véhicule, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est dommage qu'ils soient un peu buggés de l'intérieur, le bruit également qui est un petit peu un petit peu particulier. Ok, donc là on a vu, on va prendre à droite directement et on va essayer vraiment de fouiller de fond en comble. C'est à dire que là, alors on va laisser passer la voiture, elle tourne à droite, c'est bon. Si là je vais à droite, on va se retrouver à un cul-de-sac juste après. Attendez, je suis assez curieux. J'espère que ça vous plaît ce genre d'épisode, vraiment en exploration. Regardez-moi ce truc, c'est monstrueux. Oh, attendez, il y a un chemin à gauche. Il y a un chemin à gauche. Il y a un chemin à droite. Déjà, on va aller à droite. Parce que j'y suis encore jamais allé. Et c'est ce qui est chouette, c'est que j'ai pas tant roulé sur Akokan Island, étant donné qu'il n'y a pas encore grand-chose. Sauf qu'en réalité, c'est faux. C'est juste qu'il y a des routes cachées, à mon avis. Ok. On a un hôtel. Oh là 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 là, j'aurais pu commencer la vidéo là, carrément. Oh, ça, c'est sympa, ça. Ok, on peut faire une coupure ici si on veut. C'est un hôtel. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est chouette. Ok. Bon, c'est pas une route cachée encore. Hein. Nous, on est là pour chercher les routes cachées. Hop. Bon, là, le véhicule, il est pas trop fait pour passer par là, visiblement, mais... Ok, lui, il va à l'hôtel. Alors là, si je vais tout droit, je pense, en voyant le GPS, ouais, que ça va rejoindre la route principale. Donc, on va descendre par là tout à l'heure, je pense. Là, si je vais là-bas, il se passe quoi? On va aller voir. Putain, comme je suis curieux. Ça, c'est les petites vidéos détente où on fait pas de livraison, mais... Alors, j'ai deux employés maintenant qui travaillent pour moi, vous inquiétez pas. Alors là, il faut aller à gauche. Si on va à gauche, on sait, c'est une entreprise. On a déjà livré là-bas. Mais si je vais tout droit... C'est ça, la vraie question. Si je vais tout droit... Ok, on quitte Port Melli. Réserve naturelle utopienne. Attention, vous pénétrez dans une zone naturelle protégée. Oh, oh là là, l'easter egg. Oh, l'easter egg de zinzin.
Allez, on va essayer d'y aller. Et on va pas trop spoiler si jamais. Parce que ce sera peut-être pour une prochaine mise à jour. Et voyez, les pointillés ne se font pas. Les pointillés ne se font pas, donc je n'ai rien à faire là. Oh, c'est incroyable. Ok, on va rouler tranquille. Oh là là. On est en plein dans les tropiques. En train de s'aventurer dans la savane. Dans une réserve naturelle. Oh, ça c'est fort quand même. Ça c'est très très fort. Et là on va rentrer dans un tunnel. Bon, à tout moment je tombe dans le vide là. On va peut-être pas aller plus loin. On va peut-être pas aller plus loin. Je sais que ça vous exciterait. Ah, regardez, c'est un fichier PNG au bout. Ok, ok, donc c'est pas pour... Eh les gars, eh, vous avez très bien compris. Les prochaines mises à jour vont être folles. Donc les gars, n'hésitez pas à choper Akokan Island. Je pense que ça va valoir le coup pour les prochaines fois. Ok. Là je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. Oh, une réserve naturelle quoi. Vas-y, on va descendre à fond les ballons. De toute façon mon véhicule il a des suspensions de baiser. Hop là. Si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, wow. Eh ben sachez que je suis un pilote de fou. Hein. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre le petit like également si la vidéo vous plaît. Parce qu'attendez hein, vous inquiétez pas que là on va découvrir des routes incroyables au bord de l'eau. J'en suis persuadé. Là on va descendre au bord de la mer et on va forcément découvrir des routes qu'on n'a jamais vues. Et encore moins en camion hein. Encore moins en camion. Si je vais à droite, attendez. On va terminer ce secteur, d'accord. On va vraiment fouiller de fond en comble l'île, je pense. Donc là à droite, il y a l'entreprise où on a livré, d'accord. Mais là à gauche. Ah ah. Ah ah. Ok, ils me disent que c'est un cul-de-sac. Ah oui, c'est vraiment un cul-de-sac. Oh, j'ai le seum, je suis dégoûté. D'accord, bon, c'est vraiment un cul-de-sac. Bon bah, fallait essayer. Fallait essayer, on va pas déranger les... On va pas déroger les gens. Hop, on va se barrer direct. Hop là, c'est un plaisir de rouler en manuel par contre hein. C'est vraiment un kiff hein. Faut le savoir. D'ailleurs la prochaine vidéo, vous allez voir là à la fin de cette vidéo, le camion de malade que j'ai préparé vraiment. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et du coup dans la prochaine vidéo on fera du convoi exceptionnel. Et je roulerai en manuel. Ça va être vraiment génial. Ça va être vraiment génial. Hop. Bon, niveau patate c'est pas trop ça en vrai hein. Après c'est pas non plus une voiture de course, ça c'est clair. Là à droite. On avait dit que j'irais à droite. Ok, ça raccourcit, nouveau passage. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bon du coup c'est qu'un raccourci hein. C'est qu'un raccourci mais c'est toujours sympa. Ok, attendez. Parce que là du coup, à gauche ça rejoint ce qu'on connaît déjà. Mais à droite. Tu me laisses passer? Merci. Ah, donc à gauche on connaît, ok. Par contre à droite, c'est en pointillé. Oh. Ok, let's go. Ok, let's go, ça veut dire qu'on a le droit d'aller là. Ok. Ok, ça va me plaire. Oh purée les amis, l'île elle a pas fini de nous surprendre hein. Franchement pour moi à Akokan Island au début tu vois c'était juste deux routes principales. Globalement hein, pour vulgariser. Et en fait vous voyez déjà c'est plus complexe que ça, c'est plus complet. Wesh, ça va à gauche et ça va tout droit aussi. Non, il y a trop de chemin, c'est trop. Je sais déjà pas où aller. Vas-y, je vais tout droit. Je vais tout droit, comme ça on verra s'il y a les pointillés ou pas. Et il n'y a pas les pointillés. Donc comme ça, on sait qu'on pourra refaire demi-tour. Par contre, je vais voir jusqu'où ça va. Je pense que ça peut rejoindre là-haut. Voilà, c'est un cul-de-sac pour le moment, voilà. C'est un cul-de-sac, c'est normal, donc hop. On va pas... Allez, plus loin. Ce sera pour les prochaines mises à jour, très probablement. Oh, ça va être incroyable. Vraiment, my goodness, il fait un boulot monstre. Et je compte encore sur vous. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on le sauce de ouf. Mais c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai, les gars. N'hésitez pas en commentaire à mettre des petits messages de soutien à my goodness, quand même. Bravo pour son boulot. Et où c'est qu'on arrive, là? Ça rejoint la route principale. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, on passe par-dessus, d'accord. On passe par-dessus carrément. Oh. Et on passait toujours par là en bas sans savoir qu'on pouvait passer par au-dessus. C'est dingue. Ah ouais, ouais, ouais. Et voilà, il y a une route au bord de la mer. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit qu'on allait pouvoir aller au bord de l'eau. Hein. Oh purée, c'est incroyable. Tout ça, c'est en pointillé. Vas-y, je suis chaud. Et j'espère, my goodness, tu m'en veux pas qu'on fasse ça en vidéo. Au contraire, tu vois,
ça montre qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir et à découvrir par soi-même. Donc vraiment n'hésitez pas les amis. Bon, je roule un peu comme un cochon hein. Là on quitte Port-Mélie, d'accord. Et là ça va rejoindre la route là. Non, même pas. Si je vais à droite, ça rejoint la route. Oh, si je vais à droite, ça rejoint la route qu'on connaît déjà, d'accord. Eh ben je vais aller à gauche. Ah, c'est gênant. Il me laisse passer. C'est gentil. Ok, on va à gauche et là on est au plus proche de l'eau. Oh là là, le truc de dingue. Donc c'était bel et bien possible. C'est, hey, franchement, c'est magnifique. Parce que vous voyez, il a tout décoré ici. Je veux dire, il a pas laissé de fichiers buggés. C'est comme si c'était une vraie route quoi. Enfin c'est une vraie route, c'est juste qu'il l'a caché sur le GPS. Et je trouve ça génial. Ça permet de faire durer le plaisir en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah ouais 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 ouais. Là on est sur un truc assez sympa hein. Là on est sur un truc assez sympa. Là j'ai juste envie de me poser au bord de l'eau. Ah ouais. Ah ouais. Eh oui, et là il y a la route principale à gauche. Sans savoir qu'on pouvait être sur cette petite route. Non, c'est un truc de zinzin. Et donc là on rejoint notre route principale. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là on découvre plus rien. Bah écoutez, et où c'est qu'on va pouvoir encore Alors j'ai une petite technique pour trouver les routes aussi secrètes. Ma petite technique c'est ouvrir le GPS. Et regardez déjà les petits pointiers. T'ouvres le GPS et tu regardes là. Déjà tu vois ici, là t'as un crochet là. Là tout droit il y a un crochet également. Là il y a un crochet également. Donc tout ça, là également il y a un crochet. Tout ça c'est, à mon avis c'est des endroits où on peut aller. Donc de ce pas, eh bon déjà on va aller tout droit. Oui tout à fait, on va aller tout droit, bien sûr. Allez go. Alors si les pointillés apparaissent c'est bon. Si ça apparaît pas on fera demi-tour. Et ça apparaît. Allez. Oh là là, la plage. Oh, oh c'est vraiment ouf. J'adore. On est sur American Truck Simulator là. Enfin non, on est sur Euro Truck, mais je veux dire on se croirait sur American Truck quoi. Oh, le truc de ouf. Donc là on peut aller à droite ou à gauche. Tout droit ou à gauche. Vous avez progressé. Ah, je suis passé niveau 25, incroyable. Comme dit, mes employés bossent pour moi, c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe les amis, j'espère que vous kiffez. C'est pas fini hein. C'est pas fini, vraiment on va se faire kiffer. Ah, j'ai envie d'aller sur la plage. Ah, j'ai vraiment envie d'aller sur la plage. Bon là si je vais à gauche on sait ce qui se passe hein. On va rejoindre la route principale. Oh, on peut même monter visiblement. Ok. On va déjà faire une boucle par là. Wesh. Ok, c'est comme là où on a commencé la vidéo. C'est exactement comme là où on a commencé la vidéo. Mais c'est pas ici qu'on a commencé la vidéo hein. Mais ça pourrait s'y apparenter hein. Nice. Ok, bon là on va aller à droite. Alors, vous m'excuserez. Ici c'est chez moi, hein. Faut le savoir que Akokan Island c'est chez moi. Hein. Je me suis approprié cet endroit. Je veux dire, je suis un peu la milice. Je suis un peu la milice de Akokan Island, j'en ai rien à foutre. Et ceux qui sont pas contents c'est pareil. Ici c'est chez moi, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Nouveau passage. Oh là là, on peut aller à droite ou à gauche. Alors, si on va à gauche ça va rejoindre la route, on sait. Ici on va à droite. Ça va probablement être encore un cul-de-sac comme on a vu tout à l'heure. C'est exactement ça. Et je trouve ça vraiment chouette. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. C'est justement réaliste pour les logements. Hop là, paf la branche. Ah, c'est vraiment pas mal. Bah, écoutez, on va aller tout droit. Comme ça, on va rejoindre la route. Oh, il y a un chemin à droite. Ok, ok, ok. Vas-y, go. Vas-y, go. Ok, et ça va également rejoindre là-haut. Non, c'est un truc de ouf. Hey my godness, hein. Tu sais comment nous régaler, hein. Tu sais comment nous régaler. J'ai très très hâte des prochaines mises à jour. Alors, le problème, c'est que my godness, il s'est mis des épines dans le pied. Parce que, à la fois, il est en train, évidemment, de continuer Grand Utopia en lui-même. Donc, tout ce qui est gratuit. Ah, c'est apparu d'un coup. Tout ce qui est gratuit. Également MyGotopia, il travaille dessus. Il doit travailler en même temps sur son nouvel add-on de l'Angleterre. En gros,
il enchaîne plein de trucs, quoi. Il enchaîne plein de trucs, et donc c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Tu vois, c'est comme les youtubeurs qui font plusieurs types de contenu sur YouTube et ils arrivent pas à régaler en même temps ceux qui attendent du Planet Coaster, ceux qui attendent du Euro Truck, ceux qui attendent du Sons of the Forest. Voilà, c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde en même temps parce que tu peux pas faire tout en même temps. Chaque chose en son temps. Et donc voilà, c'est un petit peu le challenge de My Godness. Donc on va partir à droite. Et encore, vous savez quoi, il y a un truc qui m'excite un peu, j'aimerais bien savoir. Le rond-point là, si ça mène à quelque part là, et ce serait vraiment trop stylé pour le coup. Donc on va aller voir là. Là, je pense pas qu'il y ait de trucs secrets, peut-être ici à la limite, et je suis pas convaincu. Donc là, on sait que c'est un cul-de-sac. Clac, c'est un cul-de-sac pour le moment également. Et là, ça doit continuer, je pense, un cul-de-sac également pour le moment. Bon, on va déjà continuer cette route là, et on va redescendre et on va voir, d'accord ? Ça me paraît être une bonne idée. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, c'est aussi un cul-de-sac. D'accord. Ok, d'accord. Allez, ça part. Allez, maintenant on va tout redescendre. À nouveau. Il y a beaucoup de véhicules quand même ici, hein. Alors qu'ils rentrent même pas chez eux. Hop, angle mort. Ouais, bien vu. Voilà. Évidemment, vous inquiétez pas, hein, quand on va reprendre le camion, je roulerai de manière un peu plus cohérente. Et là, je vous l'ai dit, ici c'est chez moi. Je suis la milice de Hakokan Island. Hop, ça part ici. Et on prend à gauche. Bon, je mets pas les clignotants, de toute façon on les voit pas, donc... Hop là. Donc là, la route principale, bien connue. Et là, le giratoire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à gauche? Parce que j'ai jamais osé y aller en camion, hein, souvenez-vous. Ah oui, si. Oh. Non, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Ok. Ok. Ça doit faire partie de la réserve naturelle. Oh, on a le droit d'y aller. On a le droit d'y aller, c'est des pointillés. Oh là là. Alors là, my goodness. Allez, go. Qu'est-ce que ça va être ce truc? On va y aller tranquille. Là, on est en mode safari, mon pote. Déjà, ça peut pas rejoindre les autres routes pointillées qu'on a vues. Là, je suis parti en cacahuète. Je pense que ça va rejoindre tout là-haut. Et ce sera parfait parce que c'est là-haut qu'il faudra qu'on termine la vidéo, mais... Oh là là, c'est vraiment sauvage. C'est vraiment sauvage et j'aime ça. Est-ce qu'on peut voir s'il y a moyen de faire des petites captures d'écran? Oh là là. Oh, hé. Je cherche même pas à faire mieux. C'est juste parfait. Une petite inclinaison quand même. Changer un petit peu le temps. Eh. Bougez pas comme ça avec les ombres. Voilà, parfait. Incroyable. Vas-y, continuons, on continue d'avancer. Et la petite vue à gauche. Très bien. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est ces grands palmiers là. Oh là là. Vas-y, j'en profite de faire des petits screenshots, les gars. Oh là là. Non, c'est. On est sur Euro Truck là ou on est pas. Ouais. My Godness, il arrive à nous faire croire qu'on est plus sur Euro Truck. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est très très fort. J'adore. Tout est beau là. Tu peux faire les captures d'écran comme tu veux, tout est beau. Et en effet, je pense que ça va rejoindre la route principale là-haut. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Wesh. Les têtes à queue par contre. Ok. Si ça retourne à gauche. Ah, ça part tout seul. Ça part tout seul. Ah, c'est bon, ça rejoint là-haut. Parfait. Incroyable. Petite vidéo détente, petite vidéo chill. À tout moment, on meurt. Mais j'espère que vous kiffez. Et attendez, oh, on pourrait aller tout droit. Mais c'est interdit au moteur. Donc là, la réserve naturelle, je pense, là-haut. Par contre, les pointillés continuent. Attendez. Les pointillés continuent quand même. Malgré le panneau.
Et vous connaissez My Godness ? Des fois, il fait des trucs comme ça, mais on peut passer à travers. Je dis ça, je dis rien. On essaye ? Est-ce que c'est transparent ? Ah non. C'est pas transparent, d'accord, je me suis dit sur un malentendu. Ouais, mais si les pointillés continuent, c'est qu'il y a une raison. Et moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Alors on y va. Hop là. Eh oui, ça continue, messieurs dames. Ça continue, messieurs dames. On va avoir une surprise, je sais pas pourquoi. On va avoir une surprise. Ah non, celle-là, c'est vraiment la fin pour le coup. C'est vraiment la fin, d'accord. On va essayer de faire un demi-tour, pas trop chaotique. Ce serait pas mal. Ok. Ah putain, on est vraiment dans la... Bah là, c'est naturel, quoi. J'arrive pas à reculer. Ok, c'est bon. Là, c'est naturel. Allô ? Voilà. Allez ! On va pouvoir rejoindre la route principale. Je vais récupérer mon camion, mon nouveau camion pour les convois exceptionnels. Et j'espère que vous allez le kiffer parce que je me suis fait justement plaisir. Hop. Et on passe dans les feuillages. Le véhicule est fait pour, hein. Bah alors les copains, il y a eu un accident. Eh mais attendez, mais c'est quoi cette route? J'ai jamais vu cette route là. J'ai jamais vu cette route là. Ah si, on était déjà passé par là une fois. On était déjà passé par là une fois en live. Alors pas sur cette sauvegarde, hein, bien sûr. Mais à l'époque, on était passé par là sans savoir que c'était possible, d'accord. Ah c'est excellent. Bon du coup moi il faut que j'aille à gauche. Hop, vous m'excuserez messieurs dames. Voilà, ça fait des bruits de poussins. Les suspensions du truc. Voilà, on rentre de nouveau dans Port-Méli. Ah, à la bonne heure. À la bonne heure, à la bonne heure. Et moi du coup mon garage il est là. Mon garage il est là. Allez les amis, re-bienvenue chez moi. Une vraie route. Et franchement bravo My Godness, hein. Encore une fois en commentaire les gars. Hop là, mon garage il est juste ici. Je vais récupérer mon camion et vous me dites ce que vous en pensez. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, est-ce que c'est pas un petit peu la classe? Je suis reparti sur un Volvo les amis. Un Volvo plutôt traditionnel, mais que j'ai recustomisé comme un kéké. J'ai voulu faire un clin d'œil à mes débuts, à mes tout débuts sur Euro Truck Simulator 2. Souvenez-vous, il y a en 2020 quoi, quand j'ai commencé le jeu et que je n'y connaissais rien. Justement, où j'ai fait un camion de kéké, un camion tuning avec je ne sais combien de roues, etc. Donc j'ai voulu vraiment faire pareil et en faire un joli petit camion convoi exceptionnel. En plus, comme si ça suffisait pas, regardez, clignotant gauche, clignotant droit, voilà, comme si ça suffisait pas, voilà, comme ça on est sûr, les warnings, voilà, donc on est quand même sur un truc assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je suis trop content, je pense qu'on va se régaler. 12 vitesses, donc en manuel, donc c'est du 2-4-6, hein. 2, 4, 6, 8, 10 et 12e vitesse, marche arrière bien sûr, donc voilà un petit peu pour ça. L'intérieur, encore une fois, je remercie Fox pour toutes ces décorations que j'ai un petit peu changées. J'ai oublié de vous présenter Virginia. Voilà, Virginia qui est avec moi. Non pas Virginie la mauvaise. Donc voilà un petit peu les décorations qui ont changé. Notamment la tablette également là-bas. Et puis sur le volant, le logo YouTube. C'est la classe ça. Ouais, le petit logo YouTube, c'est cool ça. C'est vraiment cool. Merci Fox encore. Et donc les amis, on se retrouve dans le prochain épisode pour du convoi exceptionnel dans Grand Utopia. Voilà, on va quitter, je pense, à Cocaine Island. On va voir comment ça va se passer en fonction des livraisons qui seront possibles. Et on va faire du convoi exceptionnel sur cette map exceptionnelle, littéralement. J'adore, j'adore, j'adore et je vous adore. J'espère que vous avez adoré cet épisode. Si c'est le cas, vous mettez un maximum de likes, maximum de commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.